Alors on se trouve dans une loge d'Audi-Sud à Blagnac et c'est pour la clôture du festival Jazz sur son 31. Un concert ce soir avec le Big Band 31 que je dirige, que j'ai créé il y a en même temps que le festival d'ailleurs, il y a plus de 20 ans. Cette 24e édition, il y a eu encore plus d'engouement pour ce festival, pour le jazz. Les concerts étaient pratiquement tous bookés au début du festival. Il y avait plus de 25 concerts de carrément complets. Mais le public ici, en fait, pour le public, c'était vraiment un événement ce festival Jazz sur son 31 parce que le reste de l'année, il n'y a pas vraiment dans le secteur des choses aussi évoquantes pour le jazz, quoi. Alors que bon, le public parisien ou new-yorkais a l'habitude d'écouter des grands musiciens au quotidien. Voilà, donc le public attend vraiment, c'est un rendez-vous, ils attendent vraiment ça. Et donc c'est sûr que c'est chaque fois c'est un peu comme les enfants, pour les enfants à Noël, quoi. Honnêtement, j'ai l'impression que le public au Garonnais qui aime le jazz, vraiment maintenant est au courant de la programmation très en amont. Mais il y a tellement de choses, il y a eu 65-66 concerts cette année. Vraiment, il y a le choix et donc partout dans le département, parce que on ne le redira jamais assez, c'est le festival de jazz du Conseil Général de Haute-Garonne. Donc voilà, c'est vraiment avant tout dans le département, même si depuis 4-5 ans, le cœur et l'âme de ce festival est dans la cour du Conseil Général, dans l'Automne Club.